Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. Tentative échouée de l'Algérie de mainmise sur le dossier de Libye. Sabri Boukadoum interdit d'accéder à la responsabilité à l'ONU. L'Algérie devait absolument être empêchée d'avoir la mainmise sur la Libye. La nomination de Sabri Boukadoum comme émissaire de l'ONU bloquée. Avant de poursuivre les détails, n'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. Mais surtout n'oubliez pas de cliquer sur la cloche, seul moyen pour vous permettre de recevoir à chaque fois qu'il y a du nouveau sur la chaîne, un bip qui vous avise et qui vous invite à y aller. Pour être les premiers à consulter la nouvelle vidéo, les premiers à écouter les nouvelles informations. Bonjour. L'ancien chef de la diplomatie algérienne Sabri Boukadoum n'a pu devenir le nouvel émissaire de l'Organisation des Nations Unies pour la Libye. Il semblerait que les Émirats Arabes Unis ont bloqué sa nomination, selon des sources diplomatiques citées par l'AFP. Lors d'une réunion du Conseil de sécurité consacrée à la situation libyenne, certains pays comme le Ghana ou la France ont une nouvelle fois réclamé que le poste vacant depuis novembre soit pourvu dès que possible. Depuis l'automne, le renouvellement de la mission politique de l'ONU Manul n'a pu s'effectuer que pour des périodes courtes de quelques mois, notamment en raison de l'impossibilité du Conseil à se mettre d'accord sur un nouvel émissaire. Le mandat de la Manul expire le 31 juillet prochain. La semaine dernière, le chef de l'ONU Antonio Guterres, après plusieurs tentatives vaines, avait proposé aux 15 membres du Conseil le nom de Sabri Boukadoum. Les Émirats Arabes Unis ont refusé, a indiqué l'AFP, un diplomate ayant requis l'anonymat au Conseil de sécurité. Les Émirats, un membre non permanent représentant le monde arabe, selon plusieurs autres diplomates, les Émirats ont expliqué que des pays arabes de la région et surtout des parties libyennes qui savent le danger que représenteraient les dictateurs qui dirigent l'Algérie au cas où un des leurs, haut commis de l'État, accède à ce poste, avait fait partie de leur opposition à la nomination de l'ex-responsable algérien. Ces sources n'ont pas identifié les pays et parties en question. Il y a une préoccupation régionale à l'égard de la nomination de Sabri Boukadoum l'Algérien, a indiqué l'un des diplomates, en indiquant que le choix d'un ressortissant d'un pays frontalier de la Libye pose problème. Son travail serait impossible, a ajouté cette source en expliquant la position émirati. La Libye, théâtre de multiples ingérences et rivalités internationales, est depuis longtemps un casse-tête pour le chef de l'ONU. Dans son choix d'un nouvel émissaire, le prochain titulaire sera le 9e en 11 ans, relevé récemment d'une source diplomatique libyenne. Après plus d'une décennie de chaos consécutif à la chute en 2011 de Muammar Kadhafi, la Libye, minée par les divisions entre institutions concurrentes dans l'Est et l'Ouest, comme depuis le début mars deux gouvernements rivaux, comme entre 2014 et 2021, alors en pleine guerre civile, aucune solution à cette crise politique n'est en vue jusqu'à présent. Sabri Boukadoum est l'un des diplomates algériens les plus connus en Algérie. Il était ministre des Affaires étrangères du 2 avril 2019 au 7 juillet 2021, de 2013 jusqu'à 2019. Il occupait les fonctions de représentant permanent de l'Algérie aux Nations Unies. Il était également ambassadeur dans plusieurs pays comme le Portugal et la Côte d'Ivoire. Le blocage de sa nomination en Libye freine directement la gourmandise des intérêts de l'Algérie dans la région,
L'Algérie qui a hérité de la France d'un vaste territoire en 1962, quand la France avait planifié une soi-disant indépendance pour la région qu'elle avait occupée pendant plus de 132 ans, un vaste territoire justement découpé de la Libye, mais aussi des autres voisins, la Tunisie et le Maroc. Jusqu'à maintenant, les autorités algériennes n'ont pas réagi officiellement à cette information qui sûrement leur déplaît et ont choisi d'observer le silence dans ce dossier dont ils préfèrent manipuler les ficelles en cachette comme ils le font déjà contre l'intégrité territoriale de leurs voisins de l'Est, le Maroc, dans le dossier de Sahara occidental, libéré depuis 1975 suite à une marche verte pacifique organisée par Feu Hassan II, roi du Maroc.